traîner toute la journée dans le fauteuil, non. Se gaver de chips toute la journée, non. Passer son tremplin d'énergie, et à crier, hurler, pleurnicher, tout casser, non. Non. Retrouve la forme et remue-toi le popotin en 7 minutes chaque matin. Wow. Compte sur les conseils de nos coachs de choc, Nathalie et Fred. J'espère que j'ai pas de trou dans mon collant. De quoi t'as besoin? Une tenue relax. Un t-shirt. Un short trop classe. Et des baskets. C'est tout? T'es vraiment sûr? C'est tout? Ah, oui, bon, ce truc sur ma tête, c'est juste pour la classe. C'est tout. Précision importante au niveau du matériel, vous allez avoir besoin d'un mur. Alors, c'est parti. Les étirements. Avant de passer aux choses sérieuses, on va se chauffer les muscles en faisant quelques étirements. On va faire le salut au soleil. Il est là, c'est bon. Cet étirement se fait en 8 étapes. 1. On s'étire. De tout son long. Étape 2. On s'agenouille. On met les mains au sol et on regarde bien devant soi. Étape 3. On recule les pieds bien derrière. Jusque là, ça va. Voilà, on fait une belle planche, on serre les abdos. 4. On regarde le soleil. Je vous le fais de profil, c'est plus classe. 5. On pousse les fesses vers le ciel. Comme une montagne. Après, on rapproche ses petites mains. On étire bien le dos et on rentre la tête entre les bras. On se retrouve comme ça. Tiens, tête en bas là. Hop, hop, hop. J'ai triché. Étape 7. On se redresse tout doucement. On déroule toute la colonne vertébrale. Comme une feuille, en déroulant bien le dos et en dégageant les épaules. Oh. Étape 8, dernière étape. On fait comme au début. On lève les bras au ciel, la tête vers le soleil. On monte sur la pointe des pieds. Et on s'étire de tout son long. On tire, on tire. Coucou le soleil. Et on relâche. On récapépète depuis le début. C'est tout. Eh oui, c'est tout. Ça, c'était juste les étirements. Hein. Alors ensuite, what's the next? On va muscler le cœur. Ça va pas être compliqué, mais il faut s'accrocher. On y va. Footing pendant 20 secondes. Et allez, sur place. On marche pendant 20 secondes. Footing pendant 20 secondes. On marche pendant 20 secondes. Si vous habitez en appartement et que vous avez des gens qui habitent en dessous, mettez un petit tapis au moins. Essayez de faire ça sur la terrasse si vous en avez une. Et pour les autres, bah dehors, c'est très bien. Pour le moment, il fait bon. On tient bon. On tient 20 secondes. Allez. On me secoue tout ça. 5, 4, 3, 2, 1. Et on ralentit. Et on marche. On récupère. Vous pouvez faire le tour de votre appartement ou de votre jardin. Marchez comme si vous alliez à l'école. Puisque pour le moment, on peut pas. Ça va l'air super triste d'ailleurs de pas aller à l'école. Hein. On va continuer le footing. On s'arrête pas. 20 secondes. Faut qu'on garde la forme, les amis. Et là, on lève un bras. Seulement si c'est pas trop compliqué pour vous. Hein. Et puis l'autre. Je veux vous entendre crier oui devant votre écran. Est-ce que ça va toujours? Oui, oui, ça va, je suis pas sourd. Et puis maintenant, on tape. Ouh. J'arrive plus à m'arrêter. Allez, 20 secondes. On y va. Retirez les piles. Voilà, et on marche. 20 secondes. Un bon signe pour savoir si vous êtes vraiment essoufflé, c'est de pouvoir continuer à parler tout en faisant les exercices. Allez. Là, pour le moment, j'arrive à parler, plus ou moins. Ouh. Je suis jamais fatigué. Je suis déjà crevé. Et on s'arrête au bout de 20 secondes et on respire. Attendez, je vais aller boire un petit coup, hein, le temps de reprendre son souffle. Exercice suivant. Et on passe aux gambettes. On se défile pas. Hein. Et pour ça, nous allons faire la grenouille. On se met accroupi. On met ses petites mains devant et alors on croasse. On y va. Et on fait comme ça des allers-retours. Des années d'études pour se retrouver à faire la grenouille. Avec le son, ça donne un peu plus d'énergie. Crac, crac. On sent toute ma souplesse. Hein. Tenez le coup. Crac. Je sais que vous en êtes capable. Plus on fait des bons hauts, mieux c'est. Et je vous le rappelle, si c'est trop compliqué, vous arrêtez. Faites attention, si vous avez un chien, évitez de sautiller dans les cacas. Oh le. Et alors on peut faire du surplace aussi. Crac. Pour la grenouille, je vous mets 3 petites séries de 10. Ça va aller. Et maintenant, on va se faire de gros biscottos. Je vous ai dit que vous auriez besoin d'un mur, vous pouvez aller le chercher. Ou la cabane. Ne mettez pas trop de désordre à la maison non plus. Hein. Trouvez quelque chose de plat comme une cabane en bois ou alors un mur. En ce qui me concerne, je suis content parce que je peux compter sur le soutien de Xanadu et de Kimchi. Non mais en vrai, je les appelle Véronique et Davina. Oh, sois pas vexés, ça va. Bon, il est temps de faire du sport. On met les mains sur le mur, bien à plat. Les bras forment un angle à 90 degrés, un angle droit. On essaye de bien gainer ici le ventre. On laisse aller tout notre corps contre la paroi et puis on pousse.
Et on pousse. On essaye de rester bien droit. J'ai jamais dit que c'était compliqué. Et on pousse. On le fait 10 fois. Wouhou. 3 fois, 10 fois. Sur la pointe des pieds, ça marche encore mieux. On laisse aller tout le poids du corps et on le repousse. Plus la pente est inclinée, plus c'est difficile. Si vous êtes fatigué, vous vous arrêtez. Tout de suite, compris? Pour les plus costauds, on peut faire des pompes. On met les mains au sol, le dos est bien droit, et on va la tête vers le sol et on remonte. Commencez par 5 pompes et chaque jour ajoutez une pompe. D'ici l'été, vous devriez être capable d'en faire 100. Sinon, on peut faire la planche et on gaine et on tient comme ça pendant 1 minute. Mais non, c'est pas compliqué. Mais non, c'est pas la gêne. Et on boit un coup. Et maintenant, mon moment préféré. Relax. Pour conclure et se détendre de pas en haut, nous allons faire l'escargot. On va se rouler-bouler tout à l'intérieur de soi. On s'assied en tailleur. On va mettre nos pieds l'un contre l'autre. On va prendre nos petits bras, les mettre dans les petits trous comme ceci de nos jambes. Et alors faire glisser notre tête vers le sol et se refermer comme dans sa coquille. Les paumes vers le ciel et on respire. Et on reste dans sa coquille pendant quelques secondes pour se ressourcer. On laisse aller bien la tête en bas et on sent toute la colonne vertébrale qui s'étire. On fait respirer notre dos. On reste dans cette position quelques secondes, on déplie et c'est fini. Vous vous en êtes bien sortis, les amis. On le refait demain. 7 minutes pour bouger, c'est bon pour la santé. Faut bouger un max. En appartement, à la maison, dans les jardins. Descendez, montez les escaliers, dansez, chantez. Vous en voulez encore? Téléchargez gratuitement l'appli Studio Sango pour retrouver toutes les vidéos de Bouge avec Boomba. Pour bouger, ça bouge. Moi, comment ça va? Mais super, ça m'a pas du tout fatigué. Pas du tout. À la prochaine, les amis.